promets. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des enfants ou des enfants qui veulent goûter? Il y en a plus? Tu veux goûter? Oui, ah bah, franchement, vous avez tout. C'est ça, c'est que vu que c'est devenu camarade, c'est le seul mal en cours, à part le là. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas avoir un ça. Voilà, c'est bien. Qui sont issus des meilleurs accouplements, des meilleures femelles et des meilleures mâles. Donc je vais demander aux éleveurs de monter sur le ring pour faire une photo. Voilà. Donc c'est une filière qui est très dynamique et qui a misé depuis toujours sur la qualité de ses produits. Puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, on dénombre 14 appellations d'origine contrôlée. Donc n'hésitez pas à mettre du fromage de chèvre sur votre plateau. C'est un véritable enchantement. Le fromage de chèvre, le fromage au lait cru. Donc je crois qu'on peut les applaudir sincèrement. Les finalistes qui vont pointer 4 femelles. Donc il y a 2 chèvres de race alpine et 2 de race sanelle. Donc les candidats vont utiliser la table de pointage qu'utilisent donc les pointeurs agréés Capgen formés pour faire du fromage. Deuxième race qui est sélectionnée au niveau national, c'est donc la race Sanel, donc qui est originaire de Suisse, de la vallée de San, qui est sélectionnée également pour le lait. Et la Sanel, que Sanel. Donc vous avez tous un mètre métallique pour pouvoir faire les mesures. Belle. Imaginons. C'est qui n'a pas de mètre? D'accord, donc vous faites ce qu'il y a de mètre. Donc pas de discussion entre vous sur les réduits. On doit juger chacun des candidats individuellement et pas en groupe. Donc au départ, il y avait plus de 800 élèves répartis dans une quinzaine de lycées agricoles. Donc ces candidats nous viennent des différentes régions et départements de l'Hexagone.